cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat as told by its professors. Française à l'âge de 7 ans. C'est mon père qui m'a fait commencer la boxe française, Fernand Serrano. On ne porte pas le même nom, mais c'était mon père. Il a commencé la boxe avec Roger Lafont. Donc Roger Lafont, qui est un maître d'armes, hein, qui faisait de la savate, de la canne, du panache. Et il y a longtemps, moi, je voulais partir dans les temples Shaolin, je voulais faire du kung-fu, je voulais être comme Bruce Lee. Et lui m'a mis directement à la boxe française. Et la boxe française, c'est un sport qui m'a plu pas mal. J'ai eu un gros problème dans ma vie, c'est que j'ai perdu ma mère à l'âge de 13 ans. Et quand j'ai perdu ma mère à l'âge de 13 ans, ça a été quelque chose de très dur pour moi. Et de là est venue une rage terrible. Et c'est là que justement, mon père Fernand a réussi à me remettre dans la boxe française. Et là, je me suis entraîné très dur. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 16 ans, j'ai eu mon premier titre de champion de France cadet. Et ensuite, ça a continué, junior. Donc j'étais champion de France junior, champion d'Europe junior, champion de France senior, déjà espoir, après champion de France senior, champion. Et j'ai eu ma première Coupe du Monde en 89. Et en plus, ça continue, champion d'Europe 90, champion de France en 91, en 92. Et ensuite, j'ai arrêté la boxe française parce que malheureusement, j'ai eu la chance avant tout de faire l'INSEP. Donc je suis rentré à l'INSEP en 87, donc ce qui m'a créé justement quand j'étais champion de France à 16 ans. Je suis rentré à l'INSEP en 2007 et là j'ai rencontré beaucoup de gens. Hervé Blondet, Richard Silla, Hubert Abella, Jean-René Drenaza, Jean-Pascal Mazouet qui m'était écouté comme Suisse. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé à aller devant. Et moi j'avais une rage vraiment à mettre devant et puis je m'entraînais beaucoup. Richard, qui est mon père spirituel aussi, parce que Richard a été quelqu'un qui m'a beaucoup appris parce que j'ai été beaucoup dedans avec lui. Et j'étais souvent son sparring partner. Et c'est comme ça que j'ai eu tous ces titres ensuite en boxe française. Et grâce à Hervé aussi, parce qu'il nous a mis une technicité superbe. Comme tout à l'heure on discutait, on a eu les Hollandais qui étaient venus sur la France et qui mettaient beaucoup de low kick, qui mettaient des choses comme ça. On a appris vraiment à dévier tout ça, à esquiver tout ça. Donc il y a beaucoup dans le déplacement. Hervé m'a appris beaucoup le déplacement, ce qui fait que Farina, c'est vrai qu'il était bon dans le déplacement parce que le fait c'était d'éviter la force et puis de marquer ses points. C'est la boxe avant tout, c'est marquer ses points, c'est pas de mettre KO. Donc tout ça, c'est un mélange de tout. Malheureusement, j'ai donné beaucoup pour la boxe française. J'ai même été au comité olympique à l'époque de Nelson Payou, Bambuc. Je voulais absolument que la boxe devienne olympique, la boxe française devienne olympique. Et malheureusement, la boxe française n'est jamais devenue sport olympique. C'est le seul titre que j'aurais jamais. J'ai été champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Mais j'aurais jamais ce titre olympique qui, moi, était très important.
Alors ça m'a déçu beaucoup, mais grâce à l'INSEP, j'ai appris un métier, je suis devenu assureur, et donc après je me suis lancé dans l'assurance. Mais il faut savoir qu'après ma carrière de boxe française en 92, j'ai vu que le kickboxing se développait beaucoup sur Canal+. Et on nous disait toujours la boxe française, on est des danseurs. Alors j'ai voulu aller prouver que la boxe française, on n'était pas des danseurs. Et donc je me suis mis au kickboxing. Et en kickboxing, je leur ai prouvé par A plus B, sans la force, mais avec la technique, qu'on pouvait faire 12 rounds en pied-point. Et là, j'ai été aussi champion d'Europe et champion du monde. Tweet près de lui. Voilà. Et malheureusement, j'ai fait bac plus 10 dans la boxe. Et ça ne m'a pas donné tout ce que je voulais. La fédération n'en a jamais été vraiment... Parce qu'il est vrai que c'était pas le milieu de la boxe française. La boxe française, c'est quand même une famille. On était quand même très unis, comme on peut voir avec tous ceux que vous aurez interviewés. Vous pouvez voir que c'est une grande famille. Et d'ailleurs, grâce à Robert Paturek, je lui ai demandé à Robert de m'entraîner pour mon dernier combat, parce que j'avais plus personne. Donc c'est lui qui m'entraînait pour mon dernier combat. Et voilà, puis j'ai arrêté en 96 la compétition. Et après, je me suis reparti à faire mon championnat du monde dans les assurances. Et aujourd'hui, j'ai une agence d'assurance. J'ai 3 collaboratrices et je m'en sors pas mal. Et j'ai un petit club à Marly-le-Roi, juste pour que les jeunes puissent aimer la boxe aussi, la boxe pied-point. Voilà. Je pourrais encore dire. Très fort la jambe droite, l'arme fatale qui aurait pu l'être. Et puis, j'ai mon frère qui m'a suivi aussi longtemps. Dans la boxe parce que mon frère il n'aime pas la compétition. Et quand Hervé Brandet justement s'est retiré parce qu'on a eu, on a créé le Belly Association avec Hervé Brandet aussi. Il faut savoir qu'on a créé le Belly Association. Ça a été un grand club avec François Pénacchio, Bruno Godefroy, Sébastien Farina, Sylvain Postel. On a été des grands champions. Et là pareil, on a été déçus parce que dans le 13e à l'époque, on a apporté 3 champions de France, 3 champions d'Europe, 3 champions du monde. Et dans les subventions, on nous a donné très peu. Et malheureusement, encore une fois, la boxe française allait passer derrière. Et on a donné plus de subventions à la boxe thaï, qui n'avait même pas un champion en France, dans sa discipline. Voilà, donc mon entraîneur, Hervé Brandet, a été déçu. Et là encore, il y en a eu encore une petite déception. Alors j'ai continué à boxer jusqu'en 96 en kickboxing pour me faire reconnaître quand même, pour montrer que la technique qu'on avait en boxe française, le déplacement, c'était très important. Et voilà, donc je pense encore que ça marque certains esprits. Et le déplacement que j'avais dans mon combat, c'était grâce à ça. Donc maintenant je continue mon métier d'assureur, agent d'assurance. Je suis très bien, je me sens très bien et je continue la boxe pour mon plaisir. Autre chose, j'ai essayé d'être vraiment autre chose. Il y a des combats vraiment que j'ai fait et aussi il y a quelque chose qu'il faut que je dise quand même. Aujourd'hui on est à Clichy, c'est que Sotte Mesa c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé, toujours admiré. Et que malheureusement à l'époque quand je faisais la boxe française, j'avais toujours des gens de Clichy contre moi. Donc malheureusement voilà, c'est sincère. Mais sinon mes plus beaux combats, ça a été j'ai fait un combat à Bercy contre Comerte, boxe française, pour prouver que justement la boxe française était encore mieux que le kickboxing. C'est un champion du monde de kickboxing contre un champion du monde de boxe française. Et là j'ai encore montré que par la technique on pouvait arriver à faire beaucoup de choses. Sinon en kickboxing, il y a eu des combats et un combat qui a été très dur, c'était avec Abel El Kandili. Un combat que j'ai fait au championnat d'Europe, je gagne par KO à la 10e, qui est super. Et puis en fait pour moi tous les combats étaient un moment dur. Tous mes combats que j'ai faits, de toute façon, que ce soit de la boxe française, la boxe anglaise, le kickboxing, chaque combat, je les affrontais comme le plus gros combat. Pour moi, c'était important. Voilà, c'était toujours comme si ma vie était en jeu. Parce que j'ai déjà adoré ça. C'était avec le cœur, avant tout. Merci. Qu'est-ce que je pense de l'évolution de la boxe française? Donc, pour moi, la boxe française, c'est bien dommage. C'est ce que je disais encore tout à l'heure. C'est que la boxe française, elle n'est pas encore aux Jeux Olympiques. Et moi, ce que j'aurais voulu vraiment, c'est que la boxe française aille aux Jeux Olympiques. On est un sport aujourd'hui en France. Nous, on était un sport européen. Un sport européen, ça se fait avec des chaussures. Alors, même la lutte, ça se fait avec des chaussures. La boxe anglaise, ça se fait avec des chaussures parce qu'on est des Européens.
Et malheureusement, on n'a su jamais su mettre en avant ce sport. Parce qu'on n'a jamais su vraiment le lancer, le développer, le valoriser. Et parce que c'est un sport qu'on aurait dû être aux Jeux Olympiques. Pourquoi aujourd'hui il y a d'autres sports comme le taekwondo qui sont devenus aux Jeux Olympiques? Parce qu'ils ont organisé à Séoul en 96. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que la boxe française, c'est un sport vraiment où on est le plus efficace. Et on s'est fait un peu dépasser par les Japonais, justement les Chinois. Hein, ils ont dû apporter leur sport, le kickboxing, pour le faire pieds nus. Moi, Sébastien Farina, je suis champion de boxe française. J'ai été obligé de me mettre pieds nus pour aller faire du kickboxing. Alors qu'on est en France et en Europe. Et là, j'ai jamais compris cette chose-là. Bien sûr que dans des pays où on a connu, comme la boxe thaï, où les Thaïlandais marchaient pieds nus, les Japonais marchaient pieds nus, les Chinois marchaient pieds nus. Mais nous, on a toujours marché avec des chaussures. Et la savate, c'est d'abord la chaussure. Et ça, on n'a jamais su le mettre en avant. Et ça, c'est bien dommage. Parce qu'on aurait vraiment dû aller aux Jeux Olympiques. Et je pense qu'on aurait fait beaucoup de choses. Merci.